Alors, allez, voici dans mon nouveau décor. C'est pas fini. Hein. Là, il y aura une étagère avec mes jeux de cartes. Enfin, voilà. Peut-être aussi sur ce mur-là, là, en haut. Hop, voilà. Parce que. Il y en a beaucoup des jeux de cartes. Et puis, voilà, ici. Hein, à côté de la fenêtre, juste au-dessus de moi. Comme ça, je pourrais les attraper. Bon, je vais pas mettre là. Hein, c'est la porte de chambre des enfants, des garçons. Quand le tribunal voudra bien me les donner en week-end, ça fait 3 ans. Mais à chaque fois, ça fait 3 ans que c'est reporté. C'est bizarre, hein, que c'est bizarre. Je vais peut-être demander à monsieur Dupont-Moretti qui s'occupe de mon dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on parle de lui. Et bon... En parlant de lui, on a perte, cassure, séparation. Bon. Bon, ben, c'est pas la peine que je lui demande, je vais perdre. Ah, bon, voilà. Allez. Bon, alors, on va commencer. Ben, ouais, on va commencer avec lui. Hein? Comment ça va se passer avec lui? Alors, lui, c'est le ministre de quoi? Nouveau ministre de la Justice, c'est ça? Bon, écoutez, moi, j'en sais rien. Bon, allez, on va dire. Merde, je sais pas son prénom aussi. Ah! Bon. Bon, ben, si on dit ministre Dupont, déjà, je vais mettre mes lunettes parce que... Si on dit le ministre Dupont-Moretti, hein, le ministre de la Justice, les cartes vont comprendre. Voilà. Alors, que peux-tu nous dire pour le nouveau ministre Dupont-Moretti? Hop. Et bien sûr, j'ai oublié d'allumer ma bougie, comme d'habitude. Alors, merci hein, pour ceux qui m'ont laissé des gentils messages pour mon cabinet et la beauté de mes orgonites. Je vous remercie énormément. Voilà. Bon, petite Jason, regarde comme je t'ai écouté. Et bingo! Voilà. Bon, et désolé hein, pour ma bouteille d'eau, mais. À force de vous parler, des fois. Et mes cartes sont posées, vous avez vu, avec ma planche de datation, sur une fleur de vie plastifiée. Ok? Voilà. Et hop, hop. Ah, puis, cet ensemble-là, c'est... Oh là là, ça me monte en narine. Bon, allez, on se concentre. Bon, t'as vu, César? Regarde, mes pierres et tout. D'habitude, c'est parce qu'ils sont là. L'eau, l'eau, coquille ça, Jacques. Hein? Il y a mon pendule aussi dedans. Bon, voilà. Sinon, tout est là. Voilà, voilà. Bon, allez. Que pouvez-vous nous dire pour le ministre Dupont Moretti? Alors, c'est bizarre, on parle de jeune femme, apprentissage, études. Alors. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train de former une jeune dame ou qu'il va s'associer à une jeune dame? Bon, je ne sais pas. Allez, hop, on va tirer les cartes. Hop, 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 hop. Que peux-tu nous dire pour le nouveau ministre Dupont-Moretti? Hop. Ah, j'ai foutu de la résine sur mes lunettes. Ben, ça, c'est bien. C'est bingo. Ah, bon, désolé. Hein, mais... Allez. Alors, message, nouvel échange.
il va avoir le choix, d'accord? Il va avoir un choix. Pour l'instant, c'est des secrets et des mystères. Silence. La famille. Donc, des nouvelles d'un choix qu'il va faire, d'accord, qui est tenu secret pour le moment, mais peut-être quelqu'un apparemment de sa famille, puisque ça parle de la famille. Ou alors, il va faire des choix concernant les familles françaises, d'accord. Bon, parce que c'est un ministre français pour moi, pour Volo. Enfin, c'est l'Union européenne, mais bon. Voilà. Alors, il pense, il réfléchit là, sur le choix. Trahison, méfiance, mensonge. Automne, hôpital santé. Alors, il est peut-être en train de réfléchir sur le problème d'hôpital. Donc, c'est pas lui qui l'avait dit que pour la fin de la semaine, là, il fallait que Ségur il soit terminé, là. Il me semble que si. Bon, allez. Hop, hop. Alors, il est en train de penser, de réfléchir sur les erreurs qui ont été faites. Il va faire un sacrifice. Les personnes âgées. Ou il va demander un sacrifice aux personnes âgées. Bon, on a la protection, ok ? Donc, que peux-tu nous dire sur le ministre Dupont Moretti, le nouveau ministre de la Justice? Alors, il va être entraidé. On va le soutenir, on va l'appuyer. Chaleur, bien-être sur le sacrifice. L'amour, passion sur les parents, personnes âgées. Et danger. Bon. Alors, pour moi, il va peut-être soutenir les personnes âgées, d'accord, leur donner un peu de chaleur, un peu de bonnes nouvelles, hein, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'amour après, on ne sait pas, hein, quand au boulot et dans la vie privée, tu n'es peut-être pas toujours pareil. Mais bon, il va y avoir un danger, d'accord. Alors, on a l'été, on a apprentissage, études, encore une fois, oui, positif. Bon, mais là, on a demandé qu'est-ce qu'il pouvait nous dire. Le travail et les contrats. Bon, ça va être positif apparemment pour le travail. Et pour les études, il va prendre une décision cet été, d'accord? Oui, positif, donc normalement, ça devrait être positif pour le travail. Bon, alors, que peux-tu nous dire? On va prendre le deuxième, hein, d'accord? Que peux-tu nous dire? Avec le travail que j'ai fait, je n'ai pas eu le temps de finir d'imprimer sur du carton. Bon, ça sera fait aujourd'hui ou demain. Celui qui n'est pas content, ne regarde pas ma vidéo. Voilà, c'est tout simple. Alors, que peux-tu nous dire sur le ministre Dupond-Moretti? Alors, sagesse. Le peuple. Femme âgée, 60 ans et plus. Donc ça, c'est peut-être...
Brigitte. Et on a encore l'Asie, hein. D'accord? Et c'est dans la colonne du danger. Bon, moi, je dis que Poutine, il va venir à notre secours. Hein. Poutine, moi, je le vois gueuler, je sais pas pourquoi. Je le vois péter un câble aussi, celui-là. Alors, sagesse, nécessité, hein, d'accord? C'est une nécessité. Je sais pas pourquoi, ouais, je vois Poutine... Poutine gueuler. Bon, sur le pape, on a le serpent. Trahison, mensonge, jalousie, insécurité, méchanceté gratuite. Donc, attention le peuple. Attention les manifestants. Alors, regardez, avec la femme âgée, je vous ai dit que c'était Brigitte, certainement Brigitte. Alors, ils sont complices tous les deux, d'accord? Ils passent des accords. Ils sont de connivence. Que peux-tu nous dire sur le ministre Dupont Moretti? Pour moi, l'Asie est en train de réfléchir à un plan. Vous voyez, c'est la méditation. Alors, on a l'arbre de vie. Donc, on va récolter les fruits de nos efforts. On va être appuyé, aidé, assisté. Par contre, sur Brigitte et la complicité, là, il y a des nuages, hein, il y a des orages, des obstacles. Hein. C'est sombre hein, pour eux deux. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, tromperie. Vol, perte, hein, donc volant. On a la mer, donc on va peut-être pouvoir partir en vacances parce qu'on va récolter le fruit de nos efforts et dessus on a la mer. Par contre, attention, hein, regardez, la campagne. La campagne, ça peut être aussi le repos, sérénité, calme, réflexion, détente, mais ça peut être aussi qu'on va arrêter les armes. Donc, il est armé, hein, c'est quelqu'un d'armé, enfin, pas armé pampan, hein, non, non, c'est armé, enfin, voilà, il est... Il est soutenu, il est... Enfin, il est aidé, et patati, patata, il est... Voilà. Bon, alors, on a le scarabée. Et là, c'est pour se transformer, hein, le devenir. Le désert, hein, donc il pourrait se retrouver seul aussi, lui. Mais c'est un avocat, lui. Bon. Alors, les avocats, ils vont peut-être le lâcher aussi parce que, hein, bon. Horizon nouveau. Voilà. Alors, que peux-tu nous dire sur le ministre Dupont Moretti? Débordement, hein, sur les armes. Donc, attention, la goutte qui fait déborder le vase. Donc, c'est peut-être avec les policiers aussi. Hein? Bon, bah écoutez, ça va être la foudre, le chaos complet. Voilà. Chaos complet. Il va y avoir encore des bouleversements, d'accord? Il y a la loi, il y a la justice divine, que vous savez très bien qu'elle va, on s'évade. Où on a des contacts avec l'étranger. Sur les armes, la goutte qui fait déborder le vase, on a les honneurs. Donc, ça peut être les flics qui en ont marre, qui pètent un câble. Hein, parce qu'il y a les honneurs, ok. Les services rendus, après tout ce qu'ils ont fait, si on les emmerde encore. Je vous ai dit que moi, j'avais vu les gendarmes et la police... déposer les armes et venir avec les manifestants, hein, d'accord? Bon, sinon, c'est pas le bon moment, mais d'ici 6 mois, ça sera le chaos complet. Voilà. C'est ce que les cartes disent, hein, donc, voilà. Alors, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le désert, d'accord, et tout ça, là. On a eu la campagne, et puis maintenant, on sort la pie, hein, privé de liberté, on nous vole quelque chose, hein. Donc,
Bon, protection des parents, hein. Regardez, incendie, la force, destruction, hein. On va essayer de le faire dégager, lui, de toute façon, c'est le gouvernement complet. Voilà. En tout cas, il a les capacités. Le problème, c'est qu'avoir des capacités dans ce gouvernement-là, ça ne sert à rien. Parce que il ne fera rien de bien s'il écoute les autres. Hein. Alors, on est seul par obligation, mais il y a la solitude, hein, d'accord? Le départ, nouveau commencement, déménagement, démission, quitter. Et on parle de Dupont-Moretti. Hein, donc, bon, le roi, des difficultés, des ennuis de santé. Hein. Que peux-tu nous dire? Bon, voilà, ben, écoutez, on va pleurer, hein, parce qu'on a l'eau, c'est les larmes. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire. Donc, pour moi, ça ne va pas être beaucoup mieux. Ça ne va pas être beaucoup mieux. Voilà. On va poser la question avec le nouveau jeu pour savoir si il va être avec le peuple. D'accord? On va voir. Vous savez que Jason a dit qu'il faut tirer 13 cartes. Si oui, il sort, c'est oui. Sinon, il sort, c'est non. Si on n'a pas le oui ni le non dans les 13 cartes, on recommence 13 cartes. Alors, on va faire comme ça. Comme ça, on va avoir la réponse de savoir si déjà il est avec le peuple. D'accord? Voilà. Hop, alors, je reprends ce jeu-ci. 17 minutes, ouais, c'est bon, on va avoir le temps de le faire hop, sur cette vidéo aussi. Allez, donc on mélange bien, hop. Alors, est-ce que le ministre Dupont-Moretti va aider les citoyens, d'accord? Est-ce qu'il va être bon pour la France, pour les citoyens? What? Tchou. Le retour, renouveau, étranger. Bon, j'ai pas eu besoin de tirer. Non, négatif. Il ne sera pas pour le peuple. Attends, patience. Silence, repos, famille. Voilà. Bon, ben écoutez, déjà on a non. Hein, d'accord? Par contre, il y a quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un qui est parti à l'étranger et qui va revenir. Il faut attendre, avoir de la patience. Pour l'instant, c'est tenu secret. D'accord? Et la famille, donc ça peut être quelqu'un du gouvernement, hein. C'est une famille, c'est le Club Med. Bon, on va quand même faire les 13 cartes, ok. Mais là, vous avez vu que je lui veux parler, hein, c'est tombé tout seul. Donc, et regardez, je ressors encore non négatif. Alors, est-ce que le ministre Dupont-Moretti va être bon pour le peuple français? Allez, on va tirer 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, science médecine. Conflit, dispute, orage, compréhension, pardon, perte, cassure, séparation. Vous avez vu, j'ai sorti ces cartes-là déjà tout à l'heure. Remaniement, changement, transaction. Sur les erreurs, la femme, pensée, réflexion, message, nouvelle, échange, automne, les enfants, construction, information, information, opposition. D'accord? Alors, est-ce que le ministre Dupont-Moretti va être bon pour le peuple français? Est-ce qu'il va aider le peuple français? 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Bon, moi, je ne connaissais pas ce tirage là, hein, mais bon. Encore l'étranger, on ressort les mêmes cartes. Hein. L'homme, la jeune femme, silence, repos, secret, patati patata. Le jeune homme, encore une fois, leur voici, leur voilà. Union, rencontre, trahison, méfiance, mensonge. Le retour, renouveau, lumière, éclaircissement, chaleur, bien-être, danger, la surprise et soutien, appui, entraide. Bon, on n'a pas le oui, on n'a pas le non, mais vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai trié les cartes, ça a été non, d'accord? Attention, il attend le retour de quelqu'un, d'accord? Qui apparemment est parti à l'étranger. Donc, on ressort la famille, l'amour, passion, on ressort le même, le choix, métier, manuel, les accords, une solution, malheur, chagrin, mort, fin, quelque chose. Bon, j'ai insisté hein, pour avoir le oui ou le non, vous avez vu. Bon, je ne l'ai pas eu, voilà. Bon, je reviens avec une autre question. Parce que sur le retour, on m'a parlé de quelqu'un. On m'a parlé... Alors, on m'a posé une question. Donc, on va regarder si c'est ça. On va regarder si c'est ça. Bon. Bon, alors, moi, je ne sais pas. Hein. Je suis désolée pour la personne... m'a posé la question, enfin vous êtes plusieurs, mais une personne en général qui connaît bien monsieur Moretti, et bon, ben il va pas être bon pour les Français, donc tu as la réponse à ta question, ça va être le mouton de monsieur Macron. Voilà. Ah ben on peut même demander au pendule, tiens, bon je vous baisse sur le pendule, d'accord. Alors pour tenir un pendule, je montre, on ouvre la main, on met la chaîne au milieu, on baisse un peu, on lève les doigts, pouf, et on attrape la chaîne. Et c'est comme ça. Alors, est-ce que le ministre Dupont-Moretti va être bon pour le peuple français? Voilà, il a dit oui, il a dit peut-être, et regardez maintenant ce qu'il dit, il dit non. D'accord? Voilà. Est-ce que le ministre Dupont-Moretti va céder aux caprices de Macron? Oui. Alors moi, je suis très étonnée parce que Dupont-Moretti a une grande gueule. Il a une grande gueule. Pourtant, hein, voilà. Par contre, moi, mes guides m'ont dit quelque chose. Il n'est pas arrivé là par hasard. Je vais vous expliquer. Vous savez qu'il y a des plaintes contre Macron. Surtout le gouvernement, d'accord. Dupont-Moretti, c'est un avocat avec une grande gueule. Et qui arrive à libérer. On me dit libérer. Libéré. Ah, c'est non, c'est pas la compagnie créole qui chante ça. Bon, ben, on va écouter, on va pouvoir ajouter au dictionnaire des chansons. Ouais, il arrive à libérer tout le monde. Hein? Enfin, c'est lui le plus volant. Donc, mes guides me disent que, eh bien, il est là pour venir en aide à Macron, pour pas que Macron soit condamné. Voilà, ben, on va redemander au pendule alors si c'est ça, hein, d'accord. Alors, est-ce que le ministre Dupont-Moretti est au gouvernement pour défendre Emmanuel Macron au procès? Et voilà, vous avez vu,
que c'est oui. Voilà. Donc voilà pourquoi il est arrivé là. Alors, alléluia, et ben nous sommes pas sortis de l'auberge. Voilà. Bon. Donc, bah ouais, ça va être une grande gueule corrompue. Voilà. Et puis, et ben, il va bien se passer ce que je vous ai dit. Macron ne sera pas puni. Macron passera au jugement et puis on fera un arrangement à l'amiable. Mais Macron sera libéré. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit, Castagnette, il est viré. Castagnette, il a été viré. On n'en a pas entendu parler, vous avez vu. Voilà. Bon. Ben là, ça sera pareil. On fera croire que Macron démissionne ou un truc comme ça. Et puis, ce sera lui qui l'aura défendu. Bon. Je ne peux pas faire mieux. Bon. Alors, je coupe cette vidéo. Ouais. Je vais aller vous la mettre sur YouTube tout de suite. Et je remonterai pour faire le reste des questions. Ah, mais il y aura plusieurs vidéos. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout mettre aujourd'hui. Parce que bah, ça va être long à poster, encore une fois. Voilà. Bon, allez, bisous tout le monde. Je reviens de suite.